mesdames, messieurs, pour son consenti. Des positions fortes sont à être efficaces. Nous devons aller vite et bien. Il s'agit en effet de la signature du contrat entre la firme canadienne Géninor et le membre pour la fourniture, l'installation, l'implémentation du système informatique du ministère et la formation de son personnel. Comme vous devez vous en douter, l'Intermarché possède de la modernisation du fonctionnement du ministère de la Culture qui doit se hisser au niveau de l'utilisation des technologies de l'information et de communication qui constituent l'outil incontournable de l'administration du 21e siècle. Ce marché a été lancé en 2011 et fut conduit selon les règles et procédures de passation de marché public requises pour un projet financé par les bailleurs de fonds, à savoir la Banque mondiale et la Banque américaine de développement. Nécessité d'exécuter le projet dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité. Volonté de donner à tous les candidats répondant aux critères d'éligibilité, qu'ils viennent de pays développés ou de pays en développement, les mêmes informations et des chances égales de concourir pour gagner le marché. Encouragement des entrepreneurs et des fabricants du pays bénéficiaires du financement, transparence dans la passation des marchés, concurrence ouverte à l'échelle internationale. C'est le cas de se réjouir. En effet, le marché dont nous signons la passation ce matin a fait l'objet d'un appel d'offres international ouvert. Des firmes issues des différentes régions du monde, 9 au total, se sont manifestées au départ en sollicitant le dossier d'appel d'offres. Au terme d'un processus de ce marché ouvert, équitable et compétitif, ponctué par les avis de l'objection des deux bailleurs de fonds, la Banque mondiale et la BID, c'est finalement à la firme Géninor que le marché est attribué. Signature protocole d'accord, ça que nous signons aujourd'hui avec firme canadienne, c'est que nous autres, dans le ministère de l'Agriculture, nous comprenons, bien en tant que un organe gouvernemental, nous comprenons que aujourd'hui, hein, nous ne pouvons pas faire gouvernement, nous ne pouvons pas faire l'État sans que nous pas aborder les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ça va permettre que nous lever des défis que le secteur agricole représente. Hein. Qui donc, c'est ouais, dans quelle mesure du possible que nous avons l'autre approche qui est beaucoup plus moderne de chaîne d'intervention. Nous. Donc, signature protocole d'accord, ça va permettre que nous autres dans le ministère, là, nous emboîter les dires les pas de gouvernement qui a parlé de e-government, ça, et va permettre que nous faire des échanges avec l'autre pays beaucoup plus avancé, avec des moyens qui peuvent s'approprier, je ne veux dire, et en communication. Le firme là, non seulement va intervenir pour le mettre en place et toute technologie, hein, mais tout pour entrer dans le cadre de formation, parce que nous autres, en Haïti, pas en surprise de personne, que gain de connaissances que nous n'avons pas dans le domaine ça. Donc, firme ça, il y a deux missions, c'est installer les technologies, mais faire formation appropriée de 4 ministères qui permettent que nous utilisions le système ça à bon escient.